Grenier, est-ce que vous voulez nous expliquer un peu d'où est partie l'idée de faire le recours? Ah ben oui, ça remonte à il y a vraiment plusieurs années. Ça remonte à lorsqu'on a commencé à faire un dossier sur la dégénérescence maculaire. OK. C'était à ce moment-là un monsieur André Lavoie qui nous avait contacté. Et M. Lavoie, lui, avait une maladie qui s'appelle la dégénérescence maculaire. Et chaque fois qu'il se faisait faire une injection aux yeux, on lui chargeait environ 225 $ à chaque fois. Et selon lui, on n'aurait pas dû. Puis quand il regardait la facture qu'on lui émettait, c'était pour des gouttes de préparation pour l'injection. De là, on a fait le recours parce que c'était vraiment terrible. C'est pire que beaucoup d'autres parce qu'on parle de 225 par œil. Vous avez deux yeux et c'est à tous les mois. C'était une somme. Et c'est la dégénérescence maculaire, c'est une maladie des yeux qui frappe plus de 30% de la population au-dessus de 60 ans. Okay. C'est vraiment beaucoup de monde. Là. Ouais. Puis lui, vu qu'il était atteint de cette maladie-là, c'est un ancien journaliste de Radio-Canada, et donc il connaissait pas mal le sujet. Il avait fait des démarches, fondé un groupe, il s'était promené à travers le Québec. Lui-même, il avait fait tout ça. Là. Mm-hmm. Après ça, on a embarqué avec lui, on a fait la poursuite, le premier recours collectif. Et à l'époque, le Dr Barrette était le président de la FMSQ. Et on l'avait rencontré à ce moment-là. Et il nous avait donné son appui. Il trouvait ça que ça n'avait pas de bon sens, cette facturation-là. Et il fallait arrêter ça. Et lui, le jour qu'on a fait ça, il a fait une conférence de presse, puis il a dit « Les médecins vont cesser de soigner les gens à partir de mardi prochain. » On était un jeudi. « Si le gouvernement ne règle pas la situation. » Et le mardi, le gouvernement a annoncé qu'à partir de maintenant, c'était gratuit. Bon. Fait que ça, c'est un recours qui a été assez rapide, là, une semaine. Ouh, OK. Après une semaine, mais par contre, ça a pris 2 ans avant de régler le passé, puis payer tout le monde, puis en tout cas, tout ça, mais les gens ont été remboursés. L'entente qu'il y a eu avec le gouvernement à l'époque, c'était que les gens allaient être remboursés de 115 $ par injection qu'ils ont reçu. C'est moins dans beaucoup de cas que ce qu'ils ont payé, mais c'était la nouvelle entente que le gouvernement a faite avec les médecins à l'effet qu'à l'avenir, il leur donnait 115 $ de plus aux médecins. Ça s'est réglé comme ça. Donc, on avait notre premier dossier de surfacturation sur un élément très précis. De là, ça a été médiatisé et un monsieur, Philippe Léveillé, qui est venu nous rencontrer. Et lui est atteint d'un glaucome, c'est un jeune, début trentaine, et on lui facturait des 40 $ pour des gouttes pour des examens. Puis là, on a travaillé avec lui et on a lancé un nouveau recours qui est le recours qui est le plus gros actuellement. Il y a 115 cabinets de médecins qui sont poursuivis, plus la RAMQ, plus le ministère de la Santé. Et là-dedans, ce qu'on poursuit, c'est tous les gens qui payent des médicaments ou des agents anesthésiens qui payent plus que le coût. Parce que la loi, ce qu'elle prévoit actuellement, c'est que les gens ont le droit de payer. Les médecins peuvent facturer le coût des médicaments. Ce qu'on se rend compte, le coût, c'est souvent minime, comme les gouttes ophtalmiques. Oui. On parle de 1,8 sous, puis on vous charge 20 $ dans certains cas, 40 $ dans certains autres cas. Et là, on a trouvé plein de monde, donc on poursuit 115, des gastro-entérologues, des urologues, pour des frais qui chargent. Puis là, comme M. Dépôt, il fait partie Donc, ce que moi, je veux dire, c'est quand j'ai vu, suite à un accident de travail, hein, donc moi, je veux dire, je me ramasse devant un médecin qui me dit, ben écoutez, je peux bien vous donner un papier comme quoi vous allez avoir un retrait pour du travail, mais ça va vous coûter 25 $. Fait que là, tu dis, bon, j'ai pas le choix, je sors l'argent parce qu'il faut que je me présente chez mon employeur, je peux plus, je marche plus de toute façon. Fait que là, ça c'est une étape, mais quand on arrive où il faut se présenter dans le privé, parce que le public n'est pas capable de nous recevoir, ça prendrait trop de temps. Dans mon cas, c'était plus que 3 mois, là, j'étais avec des neurochirurgiens. Fait que là, je suis allé dans le privé, puis dans le privé, 200 $ là pour l'examen,
En 3 jours, vous allez avoir les résultats, puis vous allez pouvoir vous présenter chez un chirurgien avec ça, puis ça va aller plus vite. Bon, OK, on va le débourser. Puis l'affaire qu'on ne sait pas, c'est que quand on s'enclenche là-dedans, c'est si on sort de notre poche, les assureurs vont-tu le payer ou pas? Même si on est couvert par une assurance groupe, c'est plus complexe qu'on pense parce qu'ils demandent un rapport médical. On n'a pas de rapport médical à sortir. Fait que là, je dis, ça n'a pas d'allure. Et moi, c'est ça qui m'a amené un peu à signer le registre. Je dis, il va falloir que je débourse tout le temps, jusqu'à temps que je puisse commencer à marcher. Puis la physiothérapie, c'est 75 $ à toutes les semaines. Puis c'est, donc là, c'est tôt que je sors de l'argent, puis après ça, demander d'être remboursé. Quand j'ai vu qu'il y avait un regroupement national, ben là, je me suis dit, je vais faire quelque chose. Là, j'ai signé le registre, puis en voyant qu'avec le registre, il y avait des gens qui allaient faire un recours collectif, j'ai tout de suite signé. Je veux dire, je voyais bien que les délais étaient très longs, mais si on avait un règlement à avoir, au moins, il y aurait plusieurs personnes qui vont être avec moi, il y aurait plus de chances. Qu'est-ce qui fait que vous ne pouviez pas attendre dans le public? Il fallait que vous alliez dans c'est le que, c'est, je ne dis pas que les médecins ne sont pas efficaces, c'est pas ça. C'est qu'eux autres aussi sont contraints à des disponibilités de salles puis d'hôpitaux là, qui peuvent ou qui ne peuvent pas. Mais on parlait d'examens. C'était pour des examens ou des traitements? Moi, là, OK, au départ, c'est que c'était un hernie discale. Okay, donc, le bas du dos n'était plus fonctionnel. Fait que là, eux autres, ils voyaient une urgence. OK? Là, le médecin, le généraliste qui nous reçoit, lui dit il faut faire quelque chose rapidement. Parce que si on ne fait pas, ça va se avoir une dégénérescence au niveau de la paralysie puis tout. Fait que, il faut que vous puissiez faire une intervention rapide. Fait que lui, il se dit, le seul qui va être capable de prendre en charge tout ça, c'est un neurochirurgien. Fait que là, essayer d'avoir un rendez-vous avec un neurochirurgien dans l'hôpital, c'est pas évident. Fait que, mais là, avant d'avoir l'avis, il faut avoir un examen. Okay? Fait que, il a fallu aller à la clinique 10-30 pour faire l'examen. En 3 jours, c'était fait, j'avais un papier. Un examen de quoi? C'est, t'as un petit peu, là, la non médicale, c'est dans le bas du taux, là. Okay, mais non, mais je veux dire, c'était un scan, c'était une radiologie. C'était un scan, là. OK. C'était un scan, je veux dire, c'était un examen, je calcule, de routine, OK, mais qui nous charge 200 $. Bon, OK. C'était vous aviez ça. Besoin de ça parce que vous ne vouliez pas que votre état... Ben, mon médecin me disait, il faut que tu aies une affaire rapide parce qu'il dit, avec ça, il faut que tu télécopies aux hôpitaux qui sont capables de te recevoir, à la clinique neurologique, il dit, faisant plusieurs, ça c'était moi qui étais responsable de ça, c'était pas lui. Donc, à partir de la maison, on envoyait ça par télécopieur à différents hôpitaux. Et à ma grande surprise, c'est l'hôpital juif de Montréal qui m'a appelé le premier. OK, fait que là, eux autres m'ont dit, on n'est pas capable de procéder, il va falloir être allé dans le privé. Je suis allé au centre Auckland, qui a été assez cher. Mais j'ai dit, nous autres, d'ici 3 semaines, on vous appelle, on va vous faire une injection de cortisone. Ça coûte, je pense, c'était autour de 700 $. Mais c'était... Fait que vous, ça fait beaucoup d'argent, là, que vous... Oui, mais ça l'a servi à quelque chose. Aujourd'hui, je fonctionnais. Oui, c'est ça. OK, c'était ça. Ça a pris 6 mois, là, au niveau des... Mais je veux dire, il a fallu, à un moment donné, que j'avance. Je l'avais l'argent, je n'étais pas comme d'autres personnes, donc je l'avais. La question de savoir si je n'étais pas être remboursé à 70, 60, c'était pas important à cette époque-là. J'étais plus fonctionnel, il fallait que je fonctionne. Ouais. C'est ça. C'est, je veux dire, le recours collectif, c'est, bon, là, si je peux récupérer une partie, c'est ça que qu'on souhaite. Mais je veux dire, l'idée, c'était beaucoup plus... faire en sorte que des frais comme ça qu'on nous demande, qu'on arrête, là, ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Puis vous, Elise? Moi, je suis toujours un peu gênée quand je parle après monsieur parce que mon histoire, elle est toute petite, mais quand moi j'ai adhéré au recours collectif, c'est un problème qui m'a vraiment pas coûté cher. C'était plus une question de principe où j'étais vraiment, ça se peut plus. Moi, j'avais un problème à répétition d'infection urinaire. Puis, selon la clinique, parce que je me suis promenée dans différentes cliniques, ça m'a coûté 0, 5 ou la dernière fois 20 $ pour
faire le test de dépistage de l'infection. En fait, c'est un petit bâtonnet là, qui trempe dans l'urine. Je ne sais pas combien coûte le pot, mais ça ne doit pas coûter cher. Puis certainement pas 20 $. Mais je me disais, ça n'a comme pas de sens. Puis en fait, tu es rendu, le médecin, il t'attend. Puis là, on te dit, c'est 20 $. Fait qu'évidemment que tu peux repartir, mais tu ne peux pas vivre éternellement avec une infection urinaire. C'est comme une situation qui est urgente. Alors moi, c'est ça qui m'a amené à aller vers le recours, de me dire, mais on peut pas ne pas savoir. Puis 20 $ pour moi, ça va, c'est vraiment pas un problème. Mais c'est pas vrai que c'est comme ça pour tout le monde. Il y a des gens pour qui c'est vraiment très problématique. Alors c'est un petit peu ça là, qui a fait que je suis allée, que j'ai adhéré à ça. Et puis il y en a qui cherchent zéro. Alors c'est l'autre aspect, moi, qui m'intriguait beaucoup, mais c'est toutes des cliniques médicales avec des médecins qui sont tous payés de la même façon. En principe, qui veulent tous être bien à l'aise financièrement, j'en doute pas. Mais pourquoi il y en a aussi plus cher? Puis une à 20 $, la secrétaire m'avait dit, c'est parce qu'on est une clinique moitié publique, moitié privée. Là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. D'autant plus que j'avais appelé pour un sans rendez-vous, là, à une clinique qui s'affiche clinique publique sans rendez-vous. Enfin, j'ai pas compris, mais voilà, c'est un peu ça. Qui est arrivé. Puis quand même, des infections urinaires, c'est un problème très fréquent, surtout chez les femmes. Donc, même si ce n'est pas des gros montants d'argent, c'est un phénomène qui est quand même répandu, de devoir avoir besoin de ce genre de test-là. Oui, puis quand tu as un rendez-vous chez un médecin, on le sait, en général, les femmes ont des problèmes aussi. C'est extrêmement souffrant pour beaucoup de femmes quand elles ont une infection urinaire. Tu ne peux pas remettre ça pendant une semaine puis pas te faire soigner. Là, il y a comme un risque, de toute façon, d'aggravation aussi, oui. Là, si on ne le fait pas rapidement. Mm-hmm. Alors, c'est ça, c'est que les gens sont piégés assez rapidement à devoir payer quelque chose. Là. Oui. Puis c'est très fréquent. Là. C'est le problème dans tout ça, c'est que vous dites, c'est 20 $, je l'ai, c'est pas, pour moi, c'est pas grave. Mais c'est parce que le système de santé, il est gratuit au Québec. Là. Oui. Il est gratuit. On ne doit paye, pas, on le paye à même nos impôts. On s'entend que rien n'est gratuit. Mais on paye déjà, là. On n'a pas à repayer une deuxième fois que des gens se fassent plus d'argent parce qu'ils ne sont pas contents de leur négociation avec le gouvernement. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment pas notre problème. Mm-hmm. C'est comme si les syndiqués de la fonction publique décident que quand ils voient quelqu'un, ils leur demandent un petit 5 $ de plus parce que la convention ne leur a pas donné assez. Ben, puis là, on n'accepterait jamais ça. Que si oui, on était en prison, dans un... probablement. Si on allait dans un hôpital qui avait un préposé, une infirmière qui... ou un physio qui demandait un surplus parce qu'il pense qu'il n'est pas assez payé à l'heure, on n'accepterait jamais ça. Ça passerait ça jamais. Ça serait révoltant. Mm-hmm. Mais les médecins le font à tour de bras. Mm-hmm. Puis eux, on les laisse faire. Mm-hmm. Ça n'a juste pas de bon sens. Là. Moi, on va en profiter du vidéo parce que ça va peut-être servir à d'autres. Là. J'ai un autre problème neurologique, donc je me pointe à toutes les 2 ans à l'hôpital neurologique de Montréal. Puis, depuis à peu près 5 ans, le neurologue qui remplit le formulaire pour avoir le permis de conduire me charge 30 $. Je reçois la facture. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, j'ai passé 40 ans de ma vie à aller le voir, puis là, tu décides de me charger de l'argent. Ah, oh, parce qu'il ne chargeait pas avant. Non, parce qu'en réalité, ces 2 pages, il coche. OK? Mais là, lui, il me dit, garde, il dit, j'ai pas besoin d'argent. Il dit, c'est la clinique qui m'impose de facturer aux patients. Moi, j'ai déjà entendu ça récemment, ça. Même. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle était allée à la clinique, puis le médecin lui avait dit qu'il y avait un montant X à payer. C'est ça. Puis elle est arrivée devant la secrétaire, puis la secrétaire a dit, comme, laissez faire. C'est parce qu'il y a comme une règle dans la clinique, mais c'est laissez ça. Faire. Fait que là, on se ramasse un avec un certain nombre de médecins. Mm-hmm. Bon, ils sont à peu près 4 ou 5, là, si je me souviens bien, mais là, il y a une règle, un principe administratif, où la secrétaire qui est là, si vous passez puis vous avez fait remplir tel formulaire, c'est temps. Bon, fait que s'il y a d'autres personnes que ça leur arrive... Bien, ça, malheureusement, ils ont le droit de le faire. je ne sais pas pourquoi ils ont le droit de le faire, parce que... Bien, si vous venez spécifiquement pour ça, c'est peut-être, mais souvent ça se fait dans le cadre d'un autre examen. En tout cas, moi j'ai souvent vu quelqu'un qui vient pour son examen, mettons, annuel, puis en même temps il sort cette feuille-là. Ouais, c'est un autre. Ben là, il est payé là, pour faire ça pour l'examen. En tout cas, Ça peut pas faire partie du recours, ça, pour non. l'instant. Mais c'est touché. Puis comme vous dites, mais
pourquoi il l'a toujours fait gratuitement, puis là, tout d'un coup, cinq minutes de sa vie, il ne peut plus vous le donner. Mm-hmm. Ouais. Parce que d'autres médecins, parce que les propriétaires de cliniques, c'est presque toujours des médecins, exigent une part, ils veulent de l'argent de plus encore. C'est juste une affaire, ils veulent de l'argent de plus. Ça, ça fait partie des formulaires des services désassurés par, par la RAMQ. Donc, le ministre Barrette vient d'annoncer qu'il va encadrer ces frais-là, je pense. Ça peut être une bonne nouvelle, mais en même temps, ça veut dire qu'ils vont en avoir de ces frais-là. On ne les abolit pas non plus. Non, ça représente encore un obstacle. Ils pourraient en avoir plus. Hein. Moi, j'ai hâte ou j'ai pas hâte de voir, mais la réglementation qui est promise pour le 28 septembre puis les autres choses, c'est pas évident là, qu'on n'aura pas des petites surprises. Là, dans ce qui est écrit. Il y a peut-être des actes médicaux qui vont être désassurés tout d'un coup. Comme moi, je me méfie. Le diable est dans les détails et avec le docteur Barrette, il faut s'y attarder. Il faut lire. Il faut lire tout. Merci. C'est bon.